Le cheval est un miroir, il vous renvoie qui vous êtes. Quand j'ai vu ce que le cheval me renvoyait, pour moi c'était évident qu'il fallait, apprendre. Il fallait aller vers lui, il fallait le comprendre. C'est quelque chose qui calme. C'est quelque chose qui vous calme et qui vous endort presque, qui vous met dans un état vraiment de contemplation. C'est aussi le meilleur antidépresseur. Aujourd'hui, c'est vital. C'est un besoin. Tout tourne plus ou moins autour de ça aujourd'hui. Tout tourne autour de ça. Il n'y a pas un jour où j'y pense pas. Alors Musico, c'était un coup de foudre tout de suite, c'était un flash. Quand je l'ai vu, ça a été, c'est lui. C'était très clair, quoi. On s'est compris tout de suite. Je me reconnais en lui quand j'étais gosse. C'est un cheval qui a passion, j'étais pas patient. Il aime aller vite, j'aimais aller vite. Il aime une certaine prise de risque. J'ai toujours été un peu casse-cou et je me reconnais quand j'étais môme. On s'entend très bien. Cette passion s'est révélée le jour où une amie à moi m'a invité à monter en extérieur. Au moment où je suis monté dessus, qu'on s'est retrouvé dans la nature, ça a été vraiment la révélation. J'ai senti ce que j'appelle aujourd'hui l'œil quantique, c'est-à-dire tous les éléments sont interconnectés, le cheval, le cavalier, la nature autour, le chemin, les chiens qui aboient, tout ce qu'il y a autour fait partie d'un tout et d'une seule et même chose. Et ce jour-là, pour moi, c'était très clair, c'est ça que je voulais faire. Je sens qu'il me fait une confiance aveugle. Et c'est extrêmement généreux de sa part, quand c'est un animal qui déjà a un instinct de fuite très très fort, de faire des choses à contre-cœur parce que c'est moi qui lui les demande. La nature est extraordinaire, c'est une source d'énergie. On se sent tout petit, souvent là au milieu. J'adore entendre les bruits, sentir les arbres, sentir le vent. C'est cette sensation de calme qui est essentielle. Thank you.
le rapport de confiance est essentiel quand on travaille un cheval, et surtout quand on va travailler un cheval pour l'extérieur. Tout est prétexte à renforcer cette confiance. Le travail au sol, c'est la base de la relation. Quand vous êtes en symbiose absolue avec le cheval, par exemple, quand vous êtes en train de le travailler et que plus rien de ce qu'il y a autour ne vous affecte, il y a comme une espèce de cordon ombilical qui vous relie à lui. Il y a dans la relation avec le cheval quelque chose de télépathique. Je suis en opposition avec une grande partie de la culture classique aujourd'hui. Je comprends pas très bien l'usage des éperons, de la cravache ou ce genre de choses, qui pour moi sont des aveux d'impuissance. On n'obtient rien sous la contrainte. Je vais le travailler seul d'abord. On va bosser sur le contrôle du mouvement, tu deviens le décideur. En fait, c'est ce que fait plus ou moins le dominant en liberté. Voyons ça. La règle d'or, c'est que le temps n'existe pas. Va. Ah, voilà. Va. Je ne lui fais rien que je n'aimerais pas qu'on me fasse à moi. Tu vois, tout de suite, comme ça, ça part. Et si là, il est comme ça, et tout à coup, je baisse, et il baisse aussi. Tout ! Va ! Tout ! Tout ! La première chose qu'on fait, c'est contrôler le mouvement. Quand on établit un rapport et un contact avec lui, on établit une espèce de rôle de décideur. Benga. Oui. Non. Un étalon dominant est capable de faire bouger un cheval à une centaine de mètres, sans émettre le moindre son. Il envoie certainement énormément d'énergie, en fait, sur le corps. Il faut créer avec le cheval un rapport, entre guillemets, physique et mental. Un cheval travaille sur les contraires. C'est étonnant, mais pour le faire venir, il faut lui demander de partir. D'une part, parce qu'on joue avec son instinct grégaire, et comme il veut pas être seul, il finit par venir. Moi, je dis souvent, je parle le cheval avec un accent. C'est-à-dire qu'il lui faut un certain temps pour se demander mais que veut ce type ? Et au bout d'un moment, il se dit « Ah, mais il parle de ça !» C'est impressionnant que mon cheval fait exactement ce que Hermann fait. Quand il va à gauche, le cheval va à gauche. Quand il va à droite, il va à droite. Donc il est vraiment synchronisé sur lui. Il est complètement soumis et il le fait de bonne grâce aussi. Ça fait 41 ans que je monte à cheval, j'ai fait de la compétition au niveau national. Mais quand j'ai rencontré Hermann, en fait, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas vraiment les chevaux. C'est pour moi vraiment une révélation de pouvoir avoir un autre contact avec les chevaux. Les cavaliers sont souvent dans une relation peut-être de pouvoir, alors qu'en fait, le cheval, il peut être très soumis.
Ça se fait d'une manière naturelle et il crée un lien. C'est essentiel, le lien. Gentil comme tout. Ben, Martine, ça va être à toi. Tu peux commencer par t'appuyer. Tu t'appuies. Moi, j'appuie là, au centre. Ok. Là, au centre. Et c'est lui dire des mots. C'est back, 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 back. J'ai eu la chance d'être formé pendant des années par le professeur Gentili à Rome, qui a mis en place un programme d'éthologie équine appliquée interuniversitaire et qui m'a permis de comprendre les bases du comportement et qui m'a ouvert les portes du cerveau du cheval. En remontant dans les souvenirs, le cheval a toujours été présent sous une forme d'inconscient, en fait. Il n'y a pas un jour où j'y pense pas. À cheval, j'aime à peu près tout. J'aime partir avec lui, en fait. C'est la vie, en fait. C'est une sensation d'être vivant. Le cheval vous transmet la sensation d'être vivant. Ce matin, on va travailler avec une jument qui est un ancien trotteur, un peu anxieux. La plupart des problèmes rencontrés au niveau du comportement, dans la résistance que le cheval peut mettre contre le cavalier, c'est souvent au niveau de la bouche, en fait. C'est pas tellement le mors qui est compliqué ou qui peut être dur, c'est la main qui tient les rênes qui rend le mors dur ou compliqué. Souvent, quand on enlève le mors et qu'on enlève le point de contact et le point de pression, tout se libère et le cheval se détend, en fait. Alors, ce que j'aimerais tester, c'est que tu t'apprennes à lire les mouvements du cheval et les muscles, surtout, quand il s'arrête, quand il avance, quand il tourne à gauche, quand il tourne à droite. Mais pour ça, je vais te demander de te bander les yeux. C'est un cheval qui a été éduqué à aller en ligne droite, vite, et à gagner des courses. J'avance, je l'arrête, oh. Quand on passe ce cheval-là dans les mains d'une jeune fille, il y a un gros travail à faire. Je vais prendre à gauche. Le cheval doit apprendre à calmer les allures, à s'assouplir aussi énormément. Je vais la faire tourner à gauche, à droite, etc. Dans la mesure du possible, j'aimerais que tu fermes les yeux. Le travail qu'elle doit faire en s'intéressant au cheval, c'est d'apprendre à être à l'écoute de l'autre ou des autres. Faut que tu sentes ses muscles bouger, tu sens le corps bouger. Quand on est à l'écoute des autres, notre relation avec les autres s'améliore. C'est un travail difficile pour une jeune fille, mais qui peut l'aider
à grandir, à améliorer sa relation non seulement avec les chevaux, mais aussi avec les gens. Alors ? C'est surprenant parfois, mais j'adore ça, j'aime bien. On va voir la jument de Martine qui a quelques problèmes pour monter dans un van. Je pense qu'elle a été montée soit aux cordes, soit à la cravache. Et qui est très anxieuse quand il s'agit de monter dans un van. Je crois que dès qu'elle en voit un, ça se passe pas vraiment, vraiment bien. Viens un petit pas, viens, viens, mets un pied, mets un pied. Allez, mets un pied, un pied, bien. Bravo, 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 bravo. Voilà, voilà. Alors, tu vois, tu vois. Oui, attends. Hop, hop. Allez, on remet ça, bébé. Oh, oh, on s'arrête. C'est drôle. Oh. Façon, on va dire, extrême de se sentir vivant. Cette sensation de flotter sur l'air et de sentir la puissance du cheval. C'est l'extrême de la liberté. Qui est l'expression de la vitesse, de la force, de la puissance. Et puis c'est vraiment... c'est une montée d'adrénaline aussi.
C'est difficile d'expliquer. C'est très intérieur, on vit ça de manière très intérieure, mais c'est toujours très euphorisant. Alors là, on va aller voir Volkan, qui est un pur sang arabe, étalon, jeune, moins de 4 ans. Il est très nerveux, très excité, il respecte pas grand-chose, ni personne, et il a peur d'à peu près tout, ce qui fait que c'est un cocktail explosif. Il n'y a pas plus tard que 2 jours, il a fracassé son propriétaire ou éleveur contre une paroi qui a une petite fracture à l'épaule. Salut Henri. Comment vas-tu? Bah, c'est à toi qu'il faut poser la question. Comment ça va? Avec un bras. Ça fait 30 ans que j'ai des chevaux arabes. J'ai jamais eu un cas pareil, quoi. En moyenne, on faisait naître 30 poulains par an. J'ai jamais eu un cas comme Volkan. Alors, c'est bien qu'il y a eu un souci ou un problème à quelque part. Ou alors qu'il est dingo, mais je veux pas accepter de le penser. Alors, je n'accepte pas. Malgré que c'est lui qui m'a pété l'épaule. Bah, je sais pas comment on va faire, quoi, encore. Comment arrête de vivre. Ça va être la surprise du chef. Je vous propose de vous écarter un peu. C'est pas pareil, mon lapin. Hein, le bleu te va bien. Oh. La prise, c'est pas la même. Back. 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 C'est un poulain qui a été enlevé trop tôt de sa mère parce qu'il avait une morphologie extraordinaire. Doucement, papa. Doucement. C'est un cheval extrêmement nerveux qui vous marche dessus. Il peut être dangereux, vraiment dangereux. On peut mettre qu'un cheval comme ça dans des mains expertes. D'ailleurs, au sein de la famille, personne ne va s'en occuper, à part l'éleveur, parce qu'il faut savoir-faire. Là, il faut du savoir-faire. Hey! Tout lui fait peur, parce que tout lui est inconnu. Il est sur la culture de la fuite, absolument. Tour. C'est pas un cheval mauvais qui vous fait mal volontairement, il vous fait mal par maladresse. Non. En fait, on doit redéfaire le puzzle, essayer de le ramener à l'enfance, et lui redessiner un cadre clair autour, autoritaire, ce que ferait un troupeau de chevaux autour de lui, ce que... C'est toute cette culture-là qu'il n'a pas eue. Au travail. Back, 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 back. Mira la cuerda aquí, mira la cuerda, mira, 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 mira. Mira la cuerda, ¿no? Et... À chaque instant, il est avec le cheval et il prend les attitudes d'un autre cheval. Aquí, non, non. Aquí, oh, oh, oh. Aquí, non, non, non. Oh. On le sent bien, c'est comme si jamais était un cheval, quoi. Quand il tape du pied, quand il... Et le cheval rentre dans le jeu, quoi. Il rentre entièrement dans le jeu. C'est fort, quoi.
avant de connaître Germain et puis de voir ce qu'il faisait, c'est vrai que j'étais très sceptique par rapport à l'image du chuchoteur ou de l'éthologue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, non. C'est clair qu'il lui donne sa confiance, il accepte beaucoup de choses. Et Germain lui impose rien. Hein. Germain fait partie des gens qui font aimer au cheval ce qu'on veut leur apprendre. Voilà, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que apprendre par la contrainte, c'est on le fait, hein, tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui le font. Mais apprendre par l'amour, c'est autre chose, quoi. Et puis ça reste. Musico, je veux dire musicien en espagnol, musico. Le jour où il sera plus là, ça sera très très difficile. C'est très difficile, ouais. Il peut se passer plus de moi que moi de lui, mais il y aura un autre cheval qui viendra parce que ça a besoin. Mais dans le souvenir, il va laisser une empreinte très profonde. Il m'a appris beaucoup de choses. Je lui dois énormément à ce cheval. Il m'a appris beaucoup de choses. Il est très généreux. Chaque fois qu'on rentre, je le remercie toujours du moment que j'ai passé avec lui.